l'époque de RBO, à CIBL, vous avez été sélectionné pour représenter le Québec au Congrès mondial des radios communautaires qui avait lieu à La Rochelle, en France. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Beaucoup de plaisir. Premièrement, on l'a fait deux fois. La première année, on a gagné une mention spéciale. La deuxième année, on a gagné le festival. Les premiers articles de Rock et Belles Oreilles dans notre dossier de presse venaient du monde et de Libération. Et on s'est rendu compte qu'on était bon en radio, là, que la radio communautaire et Rock et Belles Oreilles nommément était bien en avance sur la radio libre française. Qu'est-ce que tu ressentais en entrant dans les studios de CIBL? Moi, j'ai toujours trouvé que les bureaux de CIBL, ça sentait les gens qui se lavent pas tout le temps. Il y avait un petit swing de gens qui travaillent trop et qui négligent un peu de se laver. Ça peut être aussi associé à une forme de non-sexualité. Parce que quand tu commences à avoir des relations sexuelles régulières, il y a au moins une personne qui dit que ça serait le fun que tu te laves plus souvent. Alors, je pourrais dire que la moitié des gens qui travaillaient à CIBL à mon époque ne baisaient pas assez. Voilà. Tu es un grand amateur de vin. C'est un rituel sur le plateau, tout le monde en parle. C'est aussi l'élément central de ton restaurant, les accords. Si CIBL était un vin, comment tu le décrirais? Ben, CIBL existe depuis quoi, 79? En 80. Ben, 80, en 20, c'est maintenant un millésime qui est passé date. Mais c'est un vin qui aurait 30 ans. Donc, moi, je dirais que c'est un vin du Nouveau Monde, en partant. C'est sûrement pas un vin français ou italien. C'est un vin de nouveau pays. C'est un vin qui au début, était fait à la sueur de bras. Un vin artisanal. Puis maintenant, bien, c'est une cuvée qui, d'année en année, a gagné son appellation. Voilà. Des gens qui nous écoutent ce soir et qui se demandent peut-être pourquoi donner du cash à CIBL. Quelle est la meilleure raison selon toi? Moi, je crois beaucoup à l'investissement pyramidal. C'est-à-dire que tu peux régler le problème de quelqu'un. Par exemple, CIBL a besoin de 150 000 $. C'est sûr que quelqu'un pourrait dire, tiens, je donne 150 000 $ à CIBL puis je règle son problème. Eh bien non, parce qu'au prochain problème, il n'y aura pas d'autres personnes à sensibiliser. Puis le seul réflexe que tu as, c'est d'aller voir la personne qui t'a donné 150 000 $ en disant « En as-tu un autre? » Ce qui est encore mieux, je trouve, c'est 150 personnes qui donnent 1 000 $ ou 1 500 personnes qui donnent 100 ou 15 000 qui donnent 10. Parce que là, tu as intéressé 15 000 personnes ou 1 500 personnes ou 150 personnes qui vont en parler. Ils vont en faire des petits. Moi, quand j'étais jeune, j'étais bénévole à CIBL. Je travaillais là, puis j'ai même été permanent, là. Puis ça vient d'Hochelaga-Maisonneuve, le quartier où je suis né. À la fin de chaque entrevue, tout le monde en parle. Tu demandes à ton invité, est-ce que tu restes avec nous? Est-ce qu'il y a un morceau de CIBL qui est resté avec toi? Lequel? La solidarité. La solidarité. Quand on a fondé Rock et Belles Oreilles, il fallait en faire une compagnie. Et moi, je vous l'annonce ce soir, je ne sais pas si vous le savez, j'ai fait une photocopie de la charte de CIBL. Et j'ai remplacé CIBL par Rock et Belles Oreilles. Puis j'ai enlevé les clauses qui ne concernaient pas parce qu'on n'avait pas d'argent pour se payer un avocat. Et finalement, Rock et Belles Oreilles a été fondé comme une compagnie à but non lucratif. Et c'était le cas pendant plusieurs années, d'ailleurs, parce qu'on était cinq, puis c'était déjà assez compliqué de se faire vivre nous-mêmes. Alors, notre compagnie était à but non lucratif parce qu'on partageait tout. On ne gagnait pas assez d'argent pour en mettre de côté. On avait un esprit communautaire, une signature commune. On signait Rock et Belles Oreilles. Alors, cet esprit communautaire-là, cet esprit de travail d'équipe, la signature éditoriale commune, bien, on l'a pris à CIBL. Puis on l'applique encore
30 ans après, dans les compagnies de Rock et Belles Oreilles. Parce qu'il y a Rock et Belles Oreilles, et les productions de la Divine Clémentine, qui sont nos maisons d'édition, et on a fondé une grande compagnie pour rendre hommage, qui s'appelle Gamic International, dont je suis le fier président. Mais c'est grâce à CBL, si on est encore les cinq, bien maintenant on est rendu quatre, mais tout le monde est égal, tout le monde. Bon, on n'est pas rendu quatre, il y a Jacques Primo aussi, alors je recommence. Alors on est cinq, puis c'est un pour tous et tous pour un. Crash, crash, double crash.